Polyte Meunerie exerce son activité dans la meunerie, c'est-à-dire concrètement, nous écrasons du blé pour faire de la farine, farine de froment, farine de blé noir. Et nous avons une spécificité dans cette entreprise, c'est qu'on exploite un procédé innovant qui s'appelle OxyGreen. Et on va bénéficier de deux atouts grâce à ce procédé. Tout d'abord, une pureté sanitaire inégalable. On débarrasse totalement le produit de ses pollutions naturelles et de ses pollutions chimiques, s'il y en a. Et deuxièmement, on va avoir un atout en termes de nutrition santé qui nous permet d'avoir des produits de grande qualité sur le plan nutritionnel pour l'alimentation humaine ou l'alimentation animale. Alors le projet que je présente aujourd'hui, c'est un projet de financement d'un plan d'investissement massif. Tout d'abord, un financement qui se fait avec de la dette senior et dans un second temps, une introduction en bourse grâce à notre fameux procédé innovant OxyGreen. En l'espace de 3 ans, nous avons réussi à lever une dette bancaire de l'ordre de 7 millions d'euros et une introduction en bourse qui a elle aussi réussi à lever 7 millions d'euros. Dans le même temps, je suis arrivé dans une entreprise où il n'y avait pas de direction financière. Et donc il a fallu que je crée une direction financière à partir de rien. Ça a été un élément aussi tout à fait intéressant de cette expérience. On écrase du grain, on fait de la farine. Et d'un autre côté, on a toute une partie de cette société qui ressemble beaucoup plus à une start-up avec un procédé innovant, l'élevage d'insectes, la nutrition santé, les fibres, le microbiote, enfin tout un tas d'éléments qui sont du paramédical et en fait qui intègrent totalement notre stratégie de R&D aujourd'hui. Et le fait de pouvoir naviguer entre ces deux éléments, c'est quelque chose que je trouve hyper stimulant.